à l'événement de la remise officielle du document de plaidoyer de Madagascar à Rio plus 20, le rapport national sur le développement durable à la délégation malgache. Comme notre événement est une remise officielle, sans nous tarder, je passe la parole tout de suite à monsieur le représentant résident adjoint programme par intérim. Merci madame. Je voudrais m'excuser parce que j'ai une extraction de voix liée à la saison. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le premier ministre, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement, mesdames et messieurs les directeurs et membres de cabinet ministériel, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, honorable assistance, c'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce jour de remise officielle du document national de plaidoyer de Madagascar à la conférence des Nations Unies pour le développement durable, qui est portée par la délégation malgache qui s'envolera pour Rio de Janeiro ce dimanche. Ce rendez-vous du Brésil, 20 ans après le sommet de la Terre de 92, revêt une grande importance, et cela a été dit à plusieurs reprises. Les dirigeants de ce monde, les milliers de participants, issus de milieux divers, défendront chacun ses intérêts, mais surtout les intérêts de notre communauté, les intérêts de l'humanité. Rio plus 20 sera l'une des plus importantes réunions mondiales sur le développement durable de notre temps. D'après, je cite, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Rio plus 20 est une nouvelle occasion de faire entendre la voix des peuples. Rio plus 20 est une nouvelle occasion de décider au niveau mondial pour agir au niveau local et assurer notre avenir commun. C'est dans cette optique que le programme des Nations Unies pour le développement et le département des affaires économiques et sociales auprès du secrétariat général ont soutenu toutes les étapes préparatoires qui ont eu lieu ici à Madagascar en vue d'aider la partie malgache à faire entendre sa voix, car comme vous le savez, Madagascar est un des pays dont la biodiversité est un patrimoine pour l'humanité. Madagascar est également un des pays dont la pauvreté préoccupe l'humanité. Ce double défi confère à la délégation qui va bientôt s'envoler une responsabilité particulière, celle de trouver la meilleure façon d'allier les impératifs de lutte contre la pauvreté avec ceux de la préservation de l'environnement et des écosystèmes. Nous sommes confiants que la délégation malgache saura être le porte-voix de la population malgache, soutenir et défendre le document de plaidoyer. En effet, si nous espérons laisser à nos enfants un avenir meilleur, devons nous allier au mouvement mondial, savoir nous y exprimer et faire face dès maintenant aux défis posés par la pauvreté et la destruction de l'humanité. Nous sommes aujourd'hui à 6 jours de ce grand rendez-vous mondial et Madagascar doit être plus présent et plus expressif sur l'avenir qu'il veut pour sa population. La campagne mondiale de vote des recommandations à présenter au chef d'État lors de la conférence terminera ce vendredi à minuit. Des experts, des parties prenantes et des universitaires travaillant dans diverses disciplines et issus de différents milieux ont réfléchi aux meilleurs moyens d'améliorer la planète. Une série de recommandations concrètes ont été mises sur pied et affinées sur 10 thèmes de dialogue sur le développement durable ou 10 dialogues de Rio plus 20, des recommandations qui rejoignent les recommandations que Madagascar soutient. Cependant, seules les 30 recommandations les plus pertinentes seront transmises directement aux dirigeants de la planète et aux décideurs de Rio plus 20.
félicitons de ce que les plus hautes autorités du pays participeront à cet important événement. Et comme vous le savez, l'un des thèmes de Rio+20 va porter sur le transfert, le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour supporter, accompagner, encadrer les efforts en matière de protection de l'environnement. Je ne pourrais pas m'empêcher de mentionner, par rapport à l'actualité récente, l'initiative prise par le Parlement de la Transition pour une action concrète dans le sens de réduire le fléau du trafic des bois de rose, qui est l'une des manifestations concrètes de la volonté, de la prise de conscience de Madagascar des enjeux environnementaux et de la volonté d'y faire face de façon déterminée. J'espérais que cette initiative va conduire le législateur à renforcer les législations qui vont dans le sens de la protection non seulement du bois de rose, mais de tout l'environnement et de la biodiversité de Madagascar. Mesdames et messieurs, Rio+20 est une occasion historique de dégager des pistes pouvant mener à un avenir durable, un avenir porteur de davantage d'emplois, de sources d'énergie non polluantes, d'une plus grande sécurité et d'un niveau de vie convenable pour tous. Madagascar a tout à tirer de ces rendez-vous, car l'exploitation rationnelle et intelligente de la grande richesse naturelle de cette île, de la grande île, est un facteur de recul de la pauvreté si nous les y mettons tous comme il se doit. Sachons donc défendre les bonnes causes. Je souhaite une bonne chance et une bonne route à la délégation de Marrakech et je vous remercie de votre attention. Merci.